Alors okay, voilà, le type d'action où on ne comprend pas toujours. Fenerino a la balle, il fait une passe, et Milan Kagé est à 2 mètres, il récupère, on ne sait pas comment, il frappe dans la foulée, ça, ça fait 5-4 quoi. Bon. Ah, il y a eu une passe, hein. Je pense qu'il y a une passe. Oui, il y a eu une passe, si tu veux, oui, mais bon. Voilà, bah voilà, bah, c'est ça. Voilà. Mais pour revenir sur le but avant, il y a un mauvais passe de Fenerino, alors on ne veut pas lui en vouloir parce qu'il veut jouer le bon jeu, parce qu'il veut en jouer sur son coéquipier, et il y a un KG intercepte. Bon. Donc tu me dis qu'il n'y a pas de problème d'interception, je vais en balle, c'est super ça. C'était peut-être la balle de encore, le match. Hein. En première intention, les underwards d'attention, il clique sur le but, l'SP, il va falloir que vous vous méfiez des underwards là-dessus, parce qu'ils vont être là jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute. Alors qu'il reste 40 secondes permis, là il est 40 secondes. Par le gardien Mehdi qui relance un grand ballon, maintenant il cherche la tête en haut, c'est bien joué, super, ça. Super. Attention Maxime dans la surface, Maxime qui temporise un peu, qui lance sur Bémot, qui met la tête et c'est le but. Ouais, je pense que c'est fini. Le match est plié. Ouais. C'est le 5-4. Bien joué l'SP, super. Petit ballon en l'air de Maxime qui n'a pas tiré à la première intention. Qui a hésité un peu à droite à gauche, il a vu Behemoth avancer sur second poteau, il lui met un petit ballon tranquillement et but, et but encore des Underworld. Oh, 7-5. Poteau rentrant. Behemoth qui met une petite tête tranquillement qui assassine les Underworld là, je pense. Il reste 15 secondes, 7-5 pour les spécialistes face aux Underworld pour la troisième place de cette FT1 2011. Voilà, je pense qu'on n'aura plus de surprise, Thermie. Non. 7-5, il reste 10 secondes. Dernier relâche, je pense, du gardien de Underworld. Donc, il va récupérer cette Fenerino en plus. Fenerino qui met un long ballon sur les notes. Et un autre qui met sur Maxime. Oh, la frappe au kilomètre. Oh, c'est super. Oh, magnifique. Oh, je pense qu'on a fait le plus beau but là, de ce match. Ouais. C'était magnifique. Relance de Firilou sur la tête de Behemoth qui fait un petit décalage, ça me fait penser un peu à la tête de Trezeguet sur Laurent Blanc face au Paraguay en 98. Et Maxime qui met une grosse patate dans les 18 mètres et ça fait 8-5. Termine, trouve une autre comparaison. Je sais qu'on a 30 et 40 ans, il s'en rappelle pas. Mais moi je m'en bats là. Ah oui, bah c'est pas grave. C'est pas de ma faute. C'était il y a longtemps.